Chères adhérentes, chers adhérents, à vous, accompagnants des exposants et des exposantes, à vous, visiteurs du salon, je vous souhaite les bienvenus à la 3e édition des Journées de la diaspora africaine à Bordeaux. Vous l'aurez remarqué, compte tenu des Jeux Olympiques, nous ne l'avons pas tenu sur les quais comme d'habitude, mais l'événement va garder toute sa splendeur. Chères exposantes, il est toujours important de rappeler que les objectifs de notre association est de promouvoir les auto-entrepreneurs de la diaspora, mais aussi pour celles et ceux qui veulent nourrir leurs fibres ou leurs idées entrepreneuriales, cultiver l'esprit d'innovation, mettre en valeur le potentiel de créativité de certains hommes et femmes qui ont besoin de visibilité, accompagner les auto-entrepreneurs dans leurs initiatives commerciales, jouer un rôle de relais entre les auto-entrepreneurs et ceux qui se cherchent avant de faire le saut pour la création de leur entreprise. Tels sont, entre autres, les objectifs de cette association, votre association, notre association. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord vaincre la peur. Mais la peur est nécessaire pour nous apprendre la prudence, pour nous apprendre la précaution et pour nous apprendre la discipline dans la gestion de l'argent. C'est en apprenant petit à petit à maîtriser la peur que nous pourrons jouer notre rôle de locomotive dans l'entrepreneuriat. Comme nous aimons à le dire, une des caractéristiques de notre association, c'est par ailleurs de créer des espaces de rapprochement dans nos salons, des espaces où l'on valorise le savoir-faire de nos membres et d'essayer de les sortir de leur zone géographique pour les faire participer à l'entretien du terreau de l'entrepreneuriat. D'où notre volonté à faire de la sensibilisation auprès de ceux et celles qui sont demandeurs d'emploi aux notions d'entrepreneuriat et de faire connaître à ceux qui se sont lancés une méthode qui consiste à se poser de bonnes questions avant de se lancer. Suis-je bien en accord avec mon idée? Quelle stratégie prendre? Bien entendu, nous allons dans nos orientations décliner ci-dessus, multiplier les mises en réseau à travers nos événements, comme celui-ci qui nous réunit aujourd'hui sur la place principale centrale de la ville de Bordeaux, la place de la Victoire, une place chargée d'histoire. Oui, nous allons durant ces 4 journées faire la démonstration de nos savoir-faire, faire du réseautage, tendre la main aux primo arrivants dans l'activité et conseiller. Je vous remercie de m'avoir prêté une oreille attentive. Bon salon, bonne vente et bonne visite. Merci, c'était Fatou Fall, la présidente.